Delphine. Oui, bonjour. Nicolas, enchanté. Vous êtes rabbin, hein? C'est ça, je suis rabbin. Quand on est rabbin et femme, est-ce qu'on dit rabbin ou pas? On peut dire rabbin, mais on dit plutôt rabbin pour l'instant. On n'a pas encore féminisé le nom. D'accord, d'accord. On est trois en France maintenant, et on est de plus en plus nombreuses à travers le monde, mais c'est, je pense, l'évolution dans l'ordre des choses. Et vous connaissiez les bains, sinon? Je suis venue il y a très longtemps. J'ai un espèce de flashback d'enfance, de revenir dans ce lieu, ou en tout cas d'adolescence plutôt, de soirée d'adolescence. Et il paraît qu'il y a vraiment des bains, ce que je ne savais pas. Ah bah bien sûr. Elles sont juste derrière, il y a une piscine. Et pas aussi. Bonsoir. Bonjour. Ça va? Bonsoir Delphine. Bonsoir. T'as eu ta réponse à ta question, toi? On peut dire rabbin. Mais c'est pas encore officiel. Je vous laisse. Bon, enchanté, merci. C'est Delphine. Merci de cet accompagnement. Je vous en prie. Bon, bah, on n'a qu'à rester là, on est bien finalement. Ça me fait plaisir de vous voir, Delphine. Parce que, justement, cette position de femme rabbin est quelque chose qui nous surprend. Vous êtes trois en France. Comment on décide de devenir femme rabbin? J'ai fait pas mal de virages dans l'existence pour arriver jusqu'au rabbinat. Vous avez fait des études de médecine au départ, c'est ça? J'ai fait des études scientifiques d'abord en Israël, et puis après j'ai étudié le journalisme. Je suis devenue journaliste pendant quelques années, mais pendant toutes ces années, j'étudiais beaucoup les textes religieux, je m'interrogeais beaucoup sur la question de l'identité juive. À aucun moment j'avais envisagé de devenir rabbin parce que j'avais tout simplement pas de modèle féminin autour de moi. Et oui, c'est sûr qu'il y en a assez peu, oui. Que je voyage beaucoup et finalement que je rencontre le judaïsme américain, notamment où c'est beaucoup plus développé, pour tout à coup me dire que tout ce que j'avais cherché tout au long du chemin, que ce soit en Israël, en France, en médecine, dans des parcours de journaliste, avait quelque chose à voir avec ce qui me menait vers le rabbinat. Et qu'est-ce que vous cherchiez exactement? Je crois que ce qui m'attire particulièrement dans cette fonction, c'est la capacité d'accompagner, la capacité de faire dialoguer les textes et l'héritage ancestral d'une tradition avec des situations inédites. Voilà, moi je me suis toujours intéressée aussi à ces questions d'identité. Qu'est-ce qu'on a reçu? De quelle manière est-ce que ce qu'on a reçu peut devenir autre chose? Alors, moi j'y pense particulièrement en ce moment. Mais oui, c'est ce que j'allais vous dire. Dans une semaine comme celle-là, comment on vit ce rapport à l'identité, cette reconstruction, le rôle des textes? Oui, je me rends compte que c'est, et on le sait à quel point c'est facile dans un certain discours fanatique d'imaginer que le texte aurait déjà été lu une fois pour toutes, qu'il n'aurait plus rien à nous dire de nouveau. Et moi, ma conception du religieux et de la pensée religieuse, elle est exactement aux antipodes de cela. Moi, je pense qu'il y a dans le judaïsme un travail sur le texte. En fait, le texte n'existe que réinventé en permanence. Il existe et il est vivant uniquement parce que de nouveaux lecteurs vont surgir. Et comment faire pour que ces nouveaux lecteurs ne disent pas quelque chose qui a déjà été dit? En fait, le texte n'a pas fini de dire, et à mon sens, c'est ce qui le rend sacré. Si on s'imagine qu'il a déjà tout dit, alors... C'est pas toute la différence, justement, avec l'islam, qui se vit à travers un texte qui est censé être la parole de Dieu, c'est-à-dire incréé, c'est-à-dire, justement, ne pouvant pas se réécrire, même s'il y a toute une tradition d'exégèse, de réflexion sur le texte. Non, moi, je dirais pas que c'est tout l'islam, parce qu'on va trouver... Une part de l'islam, bien sûr. Au sein de l'islam, des gens qui vont être prêts à s'engager dans ce travail de réécriture. La question, c'est comment est-ce que le système l'encourage? Comment est-ce que le système est prêt, à travers la voix de ses rabbins, de ses imams, de ses interprètes, à faire de la place à des nouvelles lectures et à travers cette question, à faire de la place à l'autre, à tous les autres? C'est ce que j'allais dire, parce que dans l'interprétation du texte, il y a notamment, et vous avez beaucoup travaillé là-dessus, l'interprétation du rapport entre l'homme et la femme, qui est dans le texte sacré quelque chose d'extrêmement problématique. Tout simplement parce que la femme, c'est l'autre par excellence. C'est qu'en réalité, si toutes les religions, dans leur discours fondamentaliste, ont ça en commun, à savoir un problème avec les femmes, un problème avec le féminin, ça n'a rien de surprenant, parce que tant qu'elles n'auront pas réglé leur problème avec le féminin, elles ne seront capables d'envisager aucune autre altérité, aucun autre visage de l'autre. C'est d'ailleurs assez frappant de voir. Les trois religions monothéistes, en fait, sont des héritières des mythes fondateurs du peuple juif, qui sont les textes qui sont à l'origine de ces trois religions. Et dans ce mythe fondateur, il y a la question de la femme qui vient en miroir de l'homme et du désir féminin soumis à l'homme. Du désir féminin soumis, de la difficulté pour les femmes à trouver une voix avec un E et avec un X. Comment est-ce qu'on est prêt à entendre la voix des femmes dans le texte? Comment est-ce qu'on décrit même leur création? Vous savez, ce mythe qui nous colle à la peau, oui, qui est en fait une mauvaise traduction de l'hébreu. Dans la Bible, on ne dit pas vraiment que Ève est sortie de la côte d'Adam, mais elle est à côté d'Adam. Et à partir d'une traduction éminemment politique, c'est toute une civilisation de rapport du féminin au masculin qui en découle. Est-ce qu'on est là comme un objet de soutien à un masculin
masculin premier, ou est-ce qu'on est capable d'envisager un face-à-face entre hommes et femmes? Et le fait même que vous soyez femme rabbin est déjà une conquête, déjà une réponse à ça. Vous êtes confrontée parfois à la surprise, parfois à l'hostilité de certains croyants? Ça arrive, je dirais de moins en moins souvent, parce que les gens commencent à s'habituer à cette situation, mais ça arrive encore qu'il y ait des résistances. Moi, ce qui me surprend toujours, c'est que bien souvent, ces résistances les plus virulentes viennent de femmes et pas d'hommes. Alors, c'est un grand classique. Pourquoi ? Parce que ça remet en question leur propre choix ? Peut-être que ça interroge effectivement leur propre répartition des tâches, leur propre choix. Ça questionne les chemins sur lesquels elles ne se sont pas senties autorisées à s'engager. Donc, bien souvent, ça déclenche des réactions très violentes, comme quel si ma présence questionnait véritablement. Comme si ma présence était une forme de traîtrise vis-à-vis de la situation d'épouse, de la situation de mère, oui. Comme si on ne pouvait pas investir ces domaines sans nécessairement commettre un crime de lèse-majesté à l'égard de la fonction de maternité à laquelle la femme... Et pourtant, voilà, vous êtes rabbin, vous avez trois enfants, vous êtes justement pleinement... dans tous ces rôles que peuvent investir les femmes. Parce que nos vies sont plurielles. Vous savez, c'est amusant, en hébreu, le mot « vie », il n'existe pas au singulier. C'est quand même assez troublant qu'un mot n'existe qu'au pluriel. Et je crois qu'on est tous extrêmement conscients de cela. Nos vies n'existent qu'au pluriel. Et le propre du repli identitaire dans lequel on est aujourd'hui et dont on souffre tant, c'est qu'on essaie de nous convaincre que nos vies se conjuguent au singulier. Moi, de plus en plus souvent, les gens me parlent comme si je n'étais... que juive, et j'ai besoin de leur rappeler dans la conversation que je suis parisienne, mère de famille, enfin, tout plein d'éléments composites de mon identité. Notre identité, ce sont des strates, simplement. En effet, il y a cette difficulté, mais d'ailleurs, dans votre livre, vous expliquez très bien qu'il y a une médaille avec deux faces. D'un côté, le fondamentalisme, et de l'autre, notre société libérale individualiste qui a tendance à faire de l'homme un être autoconstruit, c'est-à-dire totalement coupé de toutes ses appartenances. Et finalement, cet individu l'individualisme pur n'est que la forme inversée de l'étouffement de l'individu. Oui, c'est toute la question de l'héritage et de ce qu'on fait de son héritage. Il y a une tendance d'un côté d'un discours qu'on connaît, fondamentaliste aujourd'hui, qui nous dit « vous n'êtes que votre héritage, vous appartenez à votre groupe ethnique ou religieux et uniquement à ce « nous » collectif ». Et puis de l'autre côté, il y a une tendance dans la société hyper individualiste où finalement on ne serait qu'un jeu, déconnecté complètement d'ancrage. Moi j'entends très souvent des gens qui me disent « mes enfants choisiront, je ne leur impose rien » et c'est aussi un leurre parce que chacun d'entre nous a besoin d'appartenir pour pouvoir justement se tenir à De savoir où il vient et de choisir ensuite. Mais pour cela, il faut avoir, il faut connaître le lien. Voilà. Et de dépasser sa condition de naissance. Et ça, c'est très compliqué si on ne sait pas d'où on vient. Mais nous avons laissé se développer dans nos sociétés des enclaves communautaires, des enfermements par des communautés. On a été aveugle là-dessus. On n'a pas vu monter ça. Je crois surtout qu'on n'a pas vu et on n'a pas compris à quel moment exactement s'est opéré le basculement. C'est-à-dire, moi, j'ai un souvenir très clair, adolescente, de ne jamais m'être définie comme membre de la communauté juive. Pour moi, ce mot n'existait pas. Non, mais il n'existait pas dans le langage médiatique même. On ne parlait pas de communauté il y a 20 ans. Je suis incapable de dater à quel moment on a basculé, mais toujours est-il qu'à un moment, on a commencé à parler de moi comme étant membre d'une communauté, et même de l'intérieur de cette communauté, avec bien des guillemets, on a commencé à revendiquer cette appellation comme si elle était tout ce qui nous définissait, et comme si elle était un espèce de bloc monolithique, comme si tous les juifs ou tous les musulmans pensaient, votaient, mangeaient, de la même manière. Mais d'ailleurs, on voit ressurgir une pratique très ritualiste chez les Juifs qui avait disparu. Il n'y avait pas, il y a encore 30 ou 40 ans, il n'y avait pas un tel attachement à la kasheroute, il n'y avait pas des pratiques visibles. Comment vous voyez ce retour? Beaucoup de gens ont réinvesti le tout rituel. Moi, je ne crois pas que le rituel soit dangereux en tant que tel, dans la mesure où il est accompagné, ou s'il est accompagné, d'une réflexion sur la manière dont ce rite nourrit mon ancrage dans l'universel. De quelle manière, par mon langage particulier d'une tradition, je suis capable d'enseigner ou de modeler un ancrage dans l'universel. Moi, c'est ce que j'essaie de faire bien souvent avec les enfants de la synagogue aujourd'hui, d'essayer de penser qu'est-ce que tous ces rites peuvent vouloir dire de leur être citoyen, de leur être humain. Mais le problème, c'est quand le rite, encore une fois, dit tout de vous et n'existe que pour lui-même. Alors là, effectivement, on est dans une situation extrêmement dangereuse. Et j'ai l'impression qu'il y a ce double mouvement où, en fait, il y a une résurgence du ritualisme. Et à côté de ça, les jeunes juifs d'aujourd'hui vivent une situation. Il y avait, il y a quelque temps, un reportage dans Le Monde, après les attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercachère, sur trois générations de femmes juives. La grand-mère, la mère, la fille. La fille de 17 ans expliquait que dans son lycée, elle évitait de dire qu'elle était juive pour ne pas se couper de ses amis. Est-ce que c'est tolérable ? C'est
C'est non seulement intolérable, mais il y a quelque chose de totalement obscène dans ce retour d'une menace perçue par cette génération. Bien souvent aussi, cette nouvelle génération, effectivement, comme vous le disiez, se définit davantage par le rite. Et ça, ce n'est pas seulement vrai dans la communauté juive. Je crois que c'est vrai, on trouve ça aussi dans la communauté musulmane. Tout à coup, on reproche aux parents d'avoir abandonné une identité ancienne où on se raccroche à une espèce d'âge d'or un peu fantasmé. De quelle manière on aurait été mieux juif ou de meilleurs musulmans il y a très longtemps. Mais c'est aussi un problème d'individualisme, affirmer son individualité, alors qu'elle était le principe de la laïcité, c'est justement de garder cette individualité dans l'espace privé et dans l'espace public, d'éviter de trop se marquer. Voilà, et d'être capable encore de dire « je » et pas simplement dire « nous ». Comment est-ce qu'on réapprend à toute une génération à dire « je » Alors on a eu des petites pistes avec ces derniers mois, après les attentats de janvier, on disait tous « je suis quelque chose ». Est-ce qu'il était intéressant dans ces « je suis » à mon sens, qu'on n'a pas assez exploré, c'est que quand on disait « je suis musulman » ou « je suis policier » en ne l'étant pas, ce qu'on essayait de dire, c'est « je ne suis pas ce que je vous dis que je suis », c'est-à-dire « je ne suis pas que ce que je suis ». Et cette possibilité d'être autre chose et pas seulement ce à quoi vous me renvoyez dans mon repli identitaire ou communautaire, c'est là où on amorce un mouvement intéressant. Je ne suis pas que ce que je suis. On sort de soi-même. Mmh. Ben oui, mais malheureusement, nous sommes dans une situation où tellement de juifs sont renvoyés à l'antisémitisme qui est monté, qui est devenu un antisémitisme ordinaire, qu'on n'a pas osé nommer. Et c'est surtout ça qui est frappant. Après Mohamed Merah, il n'y a pas eu 4 millions de Français dans la rue. Ça vous a fait mal ? Ça m'a fait mal, ça m'a fait me sentir très seule, mais de façon troublante, il y a eu une latence dans la prise de conscience, pour moi et je crois pour beaucoup d'entre nous, de cette douleur et de cette solitude. Et je crois qu'il a fallu parfois des mois, et peut-être même jusqu'aux manifestations de janvier dernier, pour qu'on prenne pleinement conscience d'une solitude inacceptable dans laquelle on s'était trouvé. Et tout à coup, on s'est demandé pourquoi on avait toléré ça. Qu'est-ce qui avait fait qu'on l'avait accepté ? Voilà, et depuis, des mois ont passé, maintenant on est à nouveau dans une autre situation dramatique, et ce pour d'autres... Mais après ces événements, moi, il y a une chose qui m'a mise profondément mal à l'aise. L'intervention de Benjamin Netanyahou, venant s'adresser aux Français juifs, et je dis bien Français juifs et pas juifs de France, en leur disant « mais si vous avez peur, venez en Israël ». Est-ce que ce n'est pas une façon de jeter de l'huile sur le feu ? C'était bien entendu une récupération politique qui n'était pas du tout acceptable. On n'avait pas besoin à ce moment-là qu'un leader vienne nous dire cela, même si Israël a été le choix pour certains, et je peux comprendre que certains juifs en France aient fait ce choix d'envisager leur avenir et celui de leur enfant de façon plus sereine en Israël, mais c'était certainement pas un premier ministre d'Israël. On ne pourra jamais condamner quelqu'un qui craint pour ses enfants, mais en faisant ça, Benjamin Netanyahou a renforcé le fantasme d'une double appartenance. Il n'a sans doute pas rendu service aux Français juifs. Non, sans aucun doute. Aujourd'hui, voilà, on navigue au cœur d'identités multiples et je pense que c'est extrêmement important de ne pas réduire ces identités, mais essayer de comprendre que chacun d'entre nous navigue entre des affiliations, des affections différentes et que ça ne fait pas pour autant de nous des traîtres à quoi que ce soit. Dans votre pratique quotidienne, vous êtes confrontée à tout cela, à ces questionnements. Vous les voyez chez les gens qui viennent vous rencontrer ? Oui, je les vois au quotidien, pratiquement à la synagogue, les questions qui se posent, des questions qui se posent aussi beaucoup aux parents, on le disait à l'instant, particulièrement des gens qui ont des enfants en bas âge. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour répondre aux questions des enfants quand on n'a pas du tout les réponses et quand les questions que les enfants nous posent ne tolèrent en réalité aucune réponse? Comment est-ce qu'on fait pour accompagner ce questionnement et cette angoisse de la nouvelle génération ? Parce que vous êtes dans le 15e arrondissement, vous êtes dans une synagogue, rattaché à une synagogue, et les enfants auxquels vous vous adressez vous expriment ces peurs, vous expriment cette sensation qu'il y aurait aujourd'hui une problématique dans le fait d'être juif ? Oui, alors de façon tout à fait paradoxale, vous voyez, il y a quelques jours, juste après les attentats, j'ai reçu tous les enfants qui étudiaient à la synagogue en discussion. Voilà, on a eu un grand débat sur leur ressenti. Et ils m'ont dit quelque chose que je n'avais jamais entendu avant. Certains m'ont dit, ici, on se sent en sécurité dans la synagogue et plus complètement dans nos écoles. Oui, c'est gravissime. C'est gravissime parce qu'on a un retournement de situation où, malheureusement, depuis 10 mois, ces enfants ont pris l'habitude d'entrer dans une synagogue protégée par des soldats
on continue. À chaque fois qu'ils y pénètrent, il y a des hommes armés devant la porte. Et on arrive ici dans une situation qui est un renversement total. La synagogue était perçue peut-être comme une cible. Et bien, tout à coup, pour ces enfants, elle devient le lieu d'une protection qu'ils ne ressentent plus nécessairement au quotidien dans leur vie laïque. Et vous, comment vous vous sentez? Vous vous sentez parfois en danger? Vous aussi, vous ressentez cette peur? Je n'y pense pas vraiment au quotidien. Aujourd'hui, ma priorité, c'est effectivement d'accompagner les gens autour de moi, d'essayer de trouver aussi des ressources dans notre tradition, parce qu'il y en a beaucoup, des ressources dans notre tradition, de penser sur comment continuer à vivre malgré les drames, malgré les situations terribles qu'on peut traverser et la noirceur du temps, des temps qu'on vit. Comment on guérit la société française? Comment on fait pour que, en 2015, il n'y ait plus des juifs tués parce qu'ils sont juifs? Si on pouvait répondre en une phrase, malheureusement, ce n'est pas possible. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de travailler la question de la résilience et on a besoin de travailler très fortement, nous tous, la question de la responsabilité. Comment est-ce qu'on ne déresponsabilise personne? Comment est-ce qu'on renvoie chacun à ses responsabilités? Comment est-ce qu'on est capable, nous, leaders religieux, de ne pas avoir un discours, pardon du terme, pédiatrique, justement, mais un discours de responsabilité, un discours adulte, voilà. Je pense que les leaders religieux ne sont pas capables toujours de... Vous voyez, moi, j'ai beaucoup enseigné ces derniers mois, parce que je revenais toujours à ce texte, la question de Caïn et Abel, finalement, la situation, le mythe par excellence du début de la Genèse, c'est l'assassinat d'un homme par son frère. Et pourtant, l'assassin entend une phrase au tout début de la Bible où Dieu, l'Éternel, en tout cas une voix s'adresse à lui et lui dit « Que vas-tu faire? Vas-tu te relever? Ou vas-tu faire de ta douleur la définition de ta vie? Est-ce que tes souffrances passées te condamnent, est innocente de toute chose à tes yeux? Ou bien est-ce que tu es capable de te relever? Est-ce que tu es capable d'envisager la résilience et la pleine responsabilité de ton acte? Et depuis des mois et des mois, moi je reviens constamment sur ce texte. Il n'a pas encore fini de nous enseigner ce qu'il doit nous enseigner pour notre temps. Il s'adresse aux Juifs, il s'adresse aux Français, en général, qu'ils soient juifs, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient chrétiens. La question de savoir si nous devons, comme ça, nous définir par notre souffrance. Il s'adresse exactement à tout homme qui veut se porter garant de son frère. Vous voyez, c'est troublant ces dernières semaines. On voit que le Daesh et tous les fanatismes parlent constamment de frères. Ils nous disent « mon frère a levé l'épée, mon frère a tué », comme si la fraternité telle que eux l'envisageaient n'était que la possibilité pour un frère de tuer pour moi ou d'être tué pour moi. Eh bien moi, je pense que tout l'enjeu de nos sociétés, et ça c'est pas un enjeu religieux, c'est un enjeu de société, c'est d'être capable d'envisager une fraternité qui ne passe pas par la mort de mon frère, mais qui la dépasse et qui propose un autre projet de société. Quel est le rôle des mères dans cette question-là? Vous parlez beaucoup des mères, très souvent, notamment du fait que le judaïsme, la religion juive ne se transmet pas par la mère. Vous revenez sur cette idée reçue. C'est beaucoup plus effectivement compliqué que ce qu'on pense. Ce qui m'a troublée dans l'écriture de mon dernier livre, c'est que je me suis rendu compte que tous les personnages bibliques violents, tous ceux qui sont dépassés par leur violence de façon très troublante, ont eu en commun d'avoir une mère qui a été maltraitée ou mal aimée. Alors, je ne veux pas en faire des schémas, bien entendu, psychologisants de société, mais je trouve très intéressant de voir que nos textes ancestraux nous rappellent que la violence des fils a bien souvent quelque chose à voir avec la douleur des mères et la façon dont une société n'a pas su entendre la voix du féminin ou faire de la place à cet autre qui est la femme. Et je crois que c'est une piste extrêmement intéressante aujourd'hui de réflexion, de penser la violence des fils sans la déconnecter de la douleur des mères et des femmes. Et notamment des mères et des femmes qui traduisent cette douleur par justement l'exacerbation même volontaire de la violence de leurs fils. Comme étant un pansement peut-être à leur exactement. Condition. Exactement. On voit bien comment les mères de martyrs peuvent parfois nourrir la martyr entre guillemets. Comment elles peuvent nourrir la violence et la haine. De la même manière que les femmes, bien souvent, sont porteuses de transmissions de traditions les plus misogynes qui soient. On le voit dans certaines parties du monde, quand ce sont les femmes qui soutiennent l'excision de façon la plus virulente. Ce n'est pas parce qu'on est femme, bien entendu, qu'on se fait l'avocat oui, principal. Le vieux mythe des femmes porteuses de l'amour et qui vont changer tout, non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Au contraire, moi, je crois que le rôle des femmes, c'est d'aider leurs fils à s'émanciper. La mère, en principe, c'est celle qui va porter son enfant hors d'elle, lui dire « tu t'es construit en moi, mais maintenant, hors de moi, tu vas devenir quelqu'un d'autre ». Et ce processus d'autonomisation est critique. C'est le principe de la circoncision dans le judaïsme aussi, cette façon de couper le lien
entre la mère et le fils. Je crois qu'il y a de ça, effectivement. Il y a dans l'idée d'une coupure dans le corps de l'enfant, l'idée que bien que venant du corps de la femme, il est destiné à en sortir pour s'autonomiser de cette matrice de ses origines. Comment est-ce qu'on sort de ses origines? C'est un problème de société majeure. Comment est-ce qu'on s'autonomise? Comment est-ce qu'on sort simplement de sa condition de naissance? Encore une fois, je crois que tout discours sur le fanatisme nous renvoie toujours au radicalisme, c'est-à-dire à la volonté de retourner au racine, de retourner peut-être aux racines, à maman, de retourner à la racine, à la matrice. Alors que notre tradition, à mon sens, nous enseigne, plutôt nos traditions, parce qu'on retrouve ça dans toutes les traditions monothéistes, doit nous enseigner l'idée d'une sortie du matriciel. C'est-à-dire que c'est parce qu'on a conscience de là d'où on vient qu'on est capable, nourri de cela, de devenir autre chose. Quoi d'avoir une maman rabbin ? Je crois qu'il est habitué, pour lui, c'est devenu la norme. Il y a quelques années, j'ai souvent raconté que je lui avais demandé ce qu'il voulait faire plus tard, et il m'avait dit pompier, et je lui avais dit pourquoi pas rabbin, et il m'avait répondu en haussant les sourcils, ah, rabbin, c'est un métier de fille. Ah, c'est génial. Non mais ça, vous voyez, ça y est, ça veut dire que ça évolue. C'est devenu un jour, complètement pour même, eux, enfin, voilà. Norme. Voilà. Tous les autres métiers seront aussi des métiers de fille, assez, assez lamentables. Président de la République, tout. Merci beaucoup Delphine. Merci. Bonsoir. Si vous voulez visiter d'ailleurs les bains, on a oui. la piscine. On mais a je vais faire un petit tour. Mais là, il paraît que les, voilà, le passage par les bains change. Exactement. Et c'est aussi la purification par l'eau. Au revoir Delphine. Au revoir.